Aujourd'hui, nous avons une exposition de mes dessins. Donc, je vais exposer 53 dessins, la mine de plomb. Je dessine depuis toujours, je suis passé par la caricature. Après, j'ai fait pas mal de peintures à l'huile, quelques expos en creuse, et je suis passé à la mine de plomb car j'ai pas d'atelier et c'était un moyen de pouvoir aussi ranger mes dessins et sans trop de place chez moi. Dans ma technique, à la mine de plomb, associer un peu de graphite et par moment, quelques dessins avec quelques touches pastel pour mettre un petit peu de couleur, mais très léger. Bon, l'inspiration vient de la Creuse, mon amour de la Creuse, comme j'ai des origines ici, donc j'aime beaucoup dessiner les paysages d'hiver et en parallèle je fais pas mal de photos, donc en balade un peu partout en Creuse, donc ça permet de différencier et d'avoir pas mal de sujets et d'idées aussi après pour retransmettre chez moi. Je fais énormément de balades et peu importe le temps, que ce soit en été ou en hiver, et au contraire c'est des ambiances différentes et pas parce qu'il fait froid qu'on ne pourra pas sortir même s'il pleut, quoi. Toujours comme ça, toujours dehors. Le message aussi, ça serait de, comment dire, de se rappeler pas mal de souvenirs des vieux villages creusois qu'on traverse à pied ou en vélo ou même en voiture, et s'arrêter, faire des photos et après retransmettre sur un dessin. Et le message, c'est qu'il ne faut pas oublier le passé d'ici, quoi, le passé creusois. Je fais beaucoup de photos. Je fais beaucoup de photos de paysages. J'ai fait une exposition à Chaminadour, dessin photo, il y a 2-3 ans à peu près. Et pour moi, c'est un lien. Des fois, ça donne des petits sujets pour dessiner, genre une vieille barrière ou une vieille grange, un vieux bâti, ou même des animaux, des positions, ça dépend des vaches ou n'importe quoi, enfin, en fait, tout ce qui me passe par la tête. Il y a 53 dessins en format A3 et des petits dessins. Et tous mes dessins sont à la vente si quelqu'un est intéressé.